Je m'appelle James. James Finnegan. Plutôt classe, hein? Ça sonne bien, c'est vendeur. Ça tombe bien parce que ça fait partie du boulot. Vendre. Ça fait 7 ans. 7 ans que j'ai été lâché dans cette jungle. Que je fais partie des grands de la meute. Je mets en scène ton triste quotidien pour t'expliquer comment faut manger, s'habiller, vivre, baiser, exister. Lui, c'est Adi. Et si j'avais dû avoir un frère, ça aurait été lui. C'est vrai, toi ? Son père a parié il y a 12 ans que le téléphone serait l'ordinateur de demain. Quoi ? Il est parti en Chine, et il a gagné. Ouais. Du coup, avec sa progéniture et son fric, je me suis dit qu'on allait monter un truc terrible. Une affaire de dingue. Ok ? À tout. La famille ? On va pas s'attarder. Rien de bien glorieux. Quant à ma sœur Nina, elle passe son temps à se pavaner. Comme beaucoup, elle est prête à tout pour se prouver qu'elle existe. Elle enchaîne, s'arrache le crâne dès qu'elle peut pour finir n'importe où, n'importe comment, sans se soucier des lendemains. Et moi, dans tout ça, je magnifie l'inutile. Je crée du besoin. Je suscite du désir là où il n'y en a pas. Je suis un marchand de rêves. Seul saint patron de ce monde, ce cher Internet. Le virtuel et mère patrie. Un grand frère qui veille sur nous. En tentant plus ou moins de suivre le modèle qu'on nous a inculqué, nous sommes nés. Nous, la génération du charivari dans ce désordre organisé. Content,
quoi cette histoire de photos? Quelle photo? C'est tout. Une photo comme ça de ma sœur. Ça, c'est l'élément absent à notre naissance. La pièce manquante à notre télencéphale hautement développée nouvelle génération. Celle qui nous a permis de rétablir le lien avec nos semblables. Jeunes loups en quête de nouveaux territoires. On ne fait pas de nous des enfants de cœur, mais des soldats en devenir. Cette réalité nous assomme, nous irrite, nous tracasse, on a peur de grandir, et on préfère régresser. Redevenir enfant, là où tout était plus simple. Là où tout était plus beau. Exaspéré d'être constamment renvoyé à cet isolement collectif, on préfère s'enfuir ailleurs, vers des paradis toujours plus artificiels. Et comme on dit ici, ça t'enjaille, ça t'encourage à te dépasser, à dominer, à t'écraser. Bienvenue dans le monde réel. Finalement, t'essayes juste d'atteindre la plénitude dans ces bordels de l'internet moderne. On t'apprend pas à t'affranchir de ta timidité, de tes complexes. Nécessité d'être à travers l'autre. Et pourtant, tu n'es qu'un produit substituable à un millier.
Je te propose pas de solution, je me suis perdu en route. Pourtant, je bouillonne à l'intérieur. J'aurais aimé être le quidam défectueux de cette génération merveilleuse. Être volontairement incompétent dans la tâche qui m'incombe. Faire le serment de ne pas être ce que l'on attend de moi. J'aurais voulu être le Tyler Next Gen, prêt à tout pour faire exploser d'amour ma génération qui chavire à rire. Un mec a dit un jour, les hommes et les femmes ne trouvent pas ce qu'ils désirent. Ils doivent se contenter de désirer ce qu'ils trouvent. Ce qu'il a oublié de prévoir, c'est qu'on ne nous apprendrait pas à nous contenter de ce qu'on a. Le monde a faim. T'as faim. Jamais satisfait. Jamais rassasié. En quête de nouvelles idoles, d'images. Le problème, c'est qu'on ne parle pas d'existence, mais de réussite. Comme le troubadour, j'aurais voulu être complice du crime de vivre et fuir. Mais dans la jungle, quand tu fais pas partie de la meute, bien vivre n'est qu'une option. Survivre, une nécessité. Et pourtant, tu es là, ici et maintenant, et tu existes. Avec moi, pas contre moi. Et pourtant, on s'obstine à croire l'inverse.